Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va faire le beat de gradure voyou voyou. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer de façon simple et efficace comment tu peux facilement faire cet instrumental. Donc, tout d'abord, tu vas mettre ton tempo à 130. Donc, sur ce, on se retrouve sur Nexus. Tu prends cet instrument-ci dans Nexus. Voilà. Big Bell. Tu t'envoies dans Fantasy and Dream. Tu prends ça et que tu mets des paramétriques comme ceci. Tu mets Fruity Flingus ici, voilà. Tu mets du Low Filter. Tu vas le trouver ici, voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas disposer les notes comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter des claps assez simplement, sans trop te prendre la tête. Tu prends des claps comme ça. Voilà. Et ensuite, on va prendre un truc similaire. Tu vois? Et un snare. On va jumeler les trois instruments. Bon, on va écouter chacun d'abord. Donc, en plus de ça, on va mettre celui-ci, le snare. Maintenant, on va mettre celui-ci. Voilà, ensuite ce que tu entends en fond, il s'agit d'une basse synthé. Donc tu t'envoies dans Purity, tu prends cette basse-ci, basse synthé, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets un paramétrique, tu coupes les basses, tu laisses uniquement les zones de milieu, les zones aiguës. Et ensuite tu mets la distorsion. Voilà, donc tu laisses la distorsion à mix au maximum. Voilà, ensuite tu mets du flanger, voilà, tu mets de la reverb pour que la résonance puisse être accentuée, voilà, et ensuite tu vas mettre du delay bank. Du delay bank, c'est quoi? C'est l'écho, tout simplement. Tu mets du delay bank à 4, 4.00, voilà. Donc je prends le temps d'expliquer dans le détail pour que tu puisses facilement représenter ça. Voilà, donc ensuite ce snare mitraillette ici, tout simplement, tu prends le snare tout à l'heure et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un truc comme ça dans le piano roll. Voilà, tu disposes les notes comme ceci. Pull on the beat. Donc tu vois qu'ici, il y a une basse. Voilà, donc en plus de la basse, tu mets un kick tout simplement. Voilà, donc ça c'est un kick un peu avancé, spécial pour la trappe. Ajouter à un niveau l'entrée des 808. Donc la 808, c'est une basse américaine qui est très intéressante et très importante dans ton son trap. Voilà,
On va la mettre comme ça. Donc j'ai mis un peu de distorsion dans cette 808 pour qu'elle puisse être vraiment accentuée. Mais seulement ici, j'ai bien diminué le volume de la distorsion à pratiquement un quart. Voilà. Donc je vais baisser un peu. Donc comme tu peux le constater ici, cette note elle est sombre tout simplement parce que je l'ai coupée. J'ai coupé le volume de cette note-ci. Voilà, pour apporter une certaine valeur à l'entrée de cette première basse. Ensuite ici j'ai fait ce qu'on appelle un slide. Pour faire un slide c'est assez facile, tu mets une note comme ça et puis tu double-cliques. Tu vois qu'ici tu peux cliquer sur slide et puis ça fait cette variation-ci. Donc ici, il y a une entrée d'une deuxième mélodie. Voilà, belle percussion dans Purity. Tu prends ça, same feel, tout simplement, et puis tu déposes les notes comme ceci. Voilà, donc si on arrive à la fin de cette vidéo tutoriel, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est composition de beat rap, composition de beat afro, je t'invite à cliquer juste dans le lien dans la description. Je t'offre gratuitement une série de vidéos de formation qui vont t'expliquer dans les détails comment tu pourras facilement composer tes instruments trap, composer tes instrumentales afro. On se retrouve sur mon site web. Ciao!